Eh bien, re à toutes et à tous, nous partons sur du Giants. Pourquoi les lunettes? Personne ne sait. Et alors, par contre, pour Giants, il va falloir, donc non, pas ça, bien sûr, mais plutôt ça en fait. Voilà! Ah, donc, n'hésitez pas à dire si le son du jeu est trop fort, trop faible. Là, par exemple, je pense qu'il est un peu fort. Donc, on va plutôt se mettre genre ici. Voilà. Ensuite, il faut mettre un autre truc, c'est ça. Voilà. Donc ça me paraît pas mal. Un peu fort. Ça me paraît un peu fort. Voilà, on va plutôt se mettre comme ça. Et on va faire du Giant Citizen Kabuto, voilà. Donc attendez, il faut que je vous mette l'IRC ici. Il faut que je vous mette le truc là. Voilà, nous sommes fin prêts. Faut bien que tu mettes le nom du jeu de Giant en plein milieu. Ah oui, c'est vrai. Hop. Et hop. Voilà. Nous sommes fin prêts. Et donc nous sommes en pleine bataille. Nous sommes en pleine bataille, on peut pas continuer hein, la partie, il va falloir que je refasse toute ma base. Voilà. Je vais vous montrer comment construire une base. Toby ZX81 va tout vous expliquer en détail. Je vous remonte. Bonjour Mekarins, prenez un Smarty et déposez-le sur le plateau qui est là. C'est de la haute technologie, hein? Eh bien ne restez pas planté là, faites ce qu'il a dit. Quant aux autres mechas, ils resteront ici pour protéger la base. Voilà. Nickel, nickel, nickel. Voilà, voilà, voilà. Alors attendez, pourquoi? Non, c'est bon. On va donc Giant Citizen Kabuto. Il faut qu'on aille construire une base, n'est-ce pas? Et donc il faut qu'on aille chasser des Vimps. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu ce jeu, eh bien, c'est un jeu sorti en 2001, plein d'humour, qui déchire et qui et auquel on a joué récemment. Donc c'est un bon vieux jeu. Qui est pas trop mal fait. Il a l'air mal fait, mais il est pas si mal fait que ça. Et voilà. Bon, y'a rien de très intéressant. On continue la chasse au dindon. Rien de très intéressant là où y'a ma webcam. Si, y'a ma vie, bordel. Donc je vais la mettre au milieu. C'est ça qu'on avait fait, je crois. Hop. Et hop. Voilà. Ici, ça me semble totalement parfait. Alors. Voilà. Bon, j'ai pas trop l'habitude des contrôles. On continue la chasse au dindon, mais tout à fait, tout à fait. Voilà. C'est parti pour la chasse au dindon. Alors comment on change d'arme déjà? Ah oui, A. La lettre A. Hop. Voilà. Alors il me faut 20 steaks. Et après il faut que j'aille chercher des villageois. Voilà, parfait. Hop. Oh merde. Alors missile verrouillé c'est rien, ça veut dire que qu'une tourelle me défonce. C'est cette tourelle là-bas vous voyez. Aïe. Donc c'est un jeu assez dur. C'est pas de l'ironie, c'est vraiment dur. Oh prenez-les là. Prends ce putain de... Mais prends-le. Mais putain. Mais c'est pas vrai bordel, il peut pas le prendre ou quoi? Prenez-le lui. Ah ça c'est fait. Un dernier qui prend lui s'il vous plaît. Voilà c'est bon c'est parti. Allez on se casse. Et maintenant on attaque. Le son du jeu est trop fort. Ok ça marche. On va le baisser, on va le baisser. Pas de problème. Voilà. En haut à droite ce serait mieux Zerator car là c'est l'endroit de ton perso. Ah mais c'est vrai je suis un gros mongol. Mais en haut il y a les steaks de Vimp. Bon c'est pas grave on s'en fout. J'en ai 20. J'en ai 20, il n'y a pas de problème. C'est parti. Donc là, je vais aller déposer mes 4 types, ainsi que les 20 steaks. Et ensuite, ils vont faire des bâtiments pour moi. Alors là, le but de la mission est de faire tous les bâtiments. Voilà. Le four. Ah, il y a du 1080p, ça marche maintenant? Possible, tout à fait possible. Voilà, hop, on les dépose. Là, je vais rester ici parce que voilà, je vais pouvoir déposer mes steaks. Vous êtes sûr que vous entendez bien le jeu là? Que moi, j'entends quasiment pas le jeu en fait. Ou alors, vous êtes des menteurs. Genre là, c'est pas mal. Là, je pense que vous entendez bien le jeu. Donc là, ils vont faire le plateau de construction. Là, à mon avis, c'est mieux, c'est mieux. Alors c'est un jeu auquel on peut jouer en FPS si vous appuyez sur la touche R, mais c'est moins marrant. Donc voilà.
Donc là, on va attendre qu'ils construisent. Donc j'avoue que pour ceux qui n'ont pas vu la première émission, ça vous semble un petit peu farfelu comme, comme jeu, mais vous en faites pas, ça déchire et vous allez vite comprendre. Ne vous en faites pas. Go chasser les vimps d'un don truc. On va y aller, on va y aller. On va retourner chasser des vimps, vous en faites pas. Tac. Non, on va... En fait, on va faire d'abord le générateur de bouclier. Là, on va en mettre... Ah ouais, mais c'est vrai que je peux pas... Ah ouais, j'ai un peu sox là. Enfin, je crois qu'en fait, la bouffe... Est-ce que la bouffe, ce serait pas ça, là? Ce truc ici. Je crois que c'est ça. Hein. Je vais regarder si ça baisse quand ils construisent. Parce que quand ils reviennent manger, en fait, je pense. Bear. Voilà, en construction. Là, ils ont fini le générateur de bouclier. Même si, en fait, le bouclier... je sais pas si ça marche très bien. Ils ont raté une grosse partie de l'histoire bien énorme. Oui, vous avez, raté une grosse partie de l'histoire dans le Zeratosaurus, tout à fait. C'est bon, là. Ils y vont tous les quatre. Il y en a un qui bouffe. Il y en a un qui est en train de se remplir la panse comme un gros porc. C'est dégueulasse. Ok, là, ils vont finir ça. Pas de problème. Donc ça, c'est la boutique tier 1. Ensuite, on va faire le quartier général. Boutique tier 1 qui va être en fait terminé avec juste ces trois planches, non? Je crois, je sais plus. Bon, on verra bien. Alors là, ils vont aller chercher de la bouffe. Et je pense que... Bien. Pétez-lui la gueule. Alors là, je suis qu'à la première campagne. Il y a plusieurs campagnes et tout. Donc ce n'est pas un RTS, c'est un TPS. Donc un third person shooter, jeu de tir à la troisième personne. Pour les plus anglais d'entre vous. Et voilà. Bon, je crois que j'ai plus de bouffe là, à mon avis. Hein. À mon avis, quand ce truc va arriver à la fin, j'aurai plus de bouffe. Ok. Go, go, go! Là, je vais aller chercher de la bouffe. C'est parti. Allez, on optimise! On optimise! Donc, j'ai quelques armes. Hein. J'ai un fusil de sniper, qui est pas très ouf. Un canon Millennium. Canon Millennium, c'est le truc derrière, là-bas, en bas. Non, je crois que c'est plus ça, le canon Millennium. Si, c'est ça, je crois. Alors, le zoom, que certains trouvent abusé, apparemment. Ah merde. Hop. Vous n'avez pas du tout de balistique, faut vraiment tirer dans la tête, même à 10 km de distance. Ouais, là, par exemple. Faut vraiment tirer dans la tête. Fuck my life. En fait, vos potes ne tirent que si vous tirez. C'est pour ça que vous entendez mes potes tirer qu'à certains moments. Et en fait, ces patrouilles de mecs là viennent vous saouler dans votre base. Voilà. Oh, oh. Attendez. Voilà, donc là je cherchais des steaks actuellement. Donc tous mes potes peuvent ramasser, c'est super. C'est très bonne ambiance. Et là je cherche d'autres vimps, donc les espèces de grosses vaches, enfin les espèces de gros dindons vaches, bœufs, bipèdes. Je sais pas trop comment on peut appeler ça. Alors là par contre je vais tirer sur cette tourelle. Là je dois avoir un pote qui vole, c'est pour ça que la tourelle est en train de tirer dessus. Donc comme vous voyez les tourelles sont pas très solides. Bon, il doit y avoir d'autres vimps par ici. Ah, y'a un sniper là-bas. Alors le sniper c'est très méchant à ce jeu. Parce que ça vaut one shot en fait. Ça vaut one shot, genre vous perdez la partie et vous recommencez toute la mission. Genre ça fait pas rire du tout. C'est pas du tout marrant, pas du tout. Voilà. Et en fait de temps en temps les mecs qui attaquent ma base là, enfin ils vont dans ma base pour prendre le grand-père, c'est un peu mon héros. Donc vous allez voir à un moment il y aura peut-être écrit en haut... Ils ont attrapé Borjoisy, c'est le fameux... le fameux grand-père. Les snipers, ils two-shot. Non, ils one-shot. Ils one-shot les snipers. Ils one-shot complètement et vous crevez s'ils arrivent à vous choper. Grand-père VIP. Tout à fait, donc c'est lui, hein, le grand-père. Attendez, il est où? Vous voyez, là, ils slack tous comme des bâtards. Voyez, il est où, grand-père Borjoisy? Il est là, voilà, c'est lui. Et donc lui, il slack complet. Donc là, je leur file de la bouffe. Donc effectivement il n'y avait plus de bouffe je crois. Voilà. Hop. Mais une fois que la base sera terminée on pourra construire la bombe à pouf. La bombe à pouf qui vous permettra d'attaquer le quartier général des adversaires. Quelques petits bugs de texture mais c'est rien. Vous en faites pas. Alors on prend des seringues, on va prendre la tourelle. J'ai envie de placer une tourelle. Donc ça vous recharge en munitions, la boutique, c'est gratuit, ça fait plaisir. En fait, je vais en mettre un sur chaque barrière, ça sera beaucoup plus opti. Même si ça prend plus de temps. Quartier général, terminé. Alors, je vais en mettre un là-dessus. Un là-dessus. Un là-dessus. Et un là-dessus. Et il n'y a plus de nourriture déjà, putain la vache. Là, vous voyez, il n'y a plus de bouffe par exemple. Donc il faut que j'y aille.
Hop, allons-y. Je vais mettre une tourelle en fait, je vais poser une tourelle ici. Voilà. Il y a marqué le nombre de persos requis pour les bâtiments. Requis 2 par mur, merde. Ok, bon, de toute façon j'ai plus de bouffe, ça sert à rien. Voilà. Voilà, je les défonce. Ça, ce sont des gardes marines. A savoir que les marines en fait ne sont pas ces unités là. Ce sont juste des gardes qui gardent les marines. Oh putain. Regardez ce troupeau, ça ouvre l'appétit, n'est-ce pas? Mourez. Ok, merde. Oh, meurs. Voilà, il faut que j'arrive à les récupérer. J'ai un peu suck parce que j'ai pull les méchants derrière. Alors, faut faire très attention parce que les steaks de Vimp s'en disparaissent. Voilà. Donc moi je suis très précis, hein. Je suis absolument énorme à ce jeu. J'ai un niveau international, j'étais top FR. J'étais top FR sur ce truc. Enfin non, j'étais pas top FR du tout. Hop. 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 Voilà, très bien. On se régénère. Et on va déposer de la bouffe. Pas besoin d'avoir plus de paysans, hein. 4 c'est suffisant. Hop là. Alors tac. Yum 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 yum. On y va. Voilà. Alors 2 par mur vous m'avez dit hein, c'est ça. Donc. Ah bah c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais non d'accord, c'est mal fait en fait. Tac. 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 Voilà, 2 et 2. Donc là c'est bon. On va aller se recharger vite fait les munitions. Et on va aller chercher une autre tourelle, puisqu'on peut avoir masse tourelle. Tac. Voilà, parfait. Je vais aller la poser ici, ma tourelle, en fait. Pile au milieu. Parfait. Ce n'est pas une rediff. Ce n'est pas une putain de rediff. Wouhou. Ah, meurt. Meurt. Voilà, donc il dépose des mines. C'est vrai que je pourrais poser des mines aussi. Bon, je pourrais faire pas mal de choses, mais bon. Ah, il y a d'autres Vimp. Donc les Vimp, c'est la fameuse ressource, la viande, n'est-ce pas? Il faut que je fasse ça. C'est une rediff en live. Arrêtez, c'est pas une rediff. Voilà. Merde, 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 merde. Fuck my life. Saloperie de créature de mes deux. Donc là, vous voyez, si je me dépêche pas, en fait, ça disparaît les trucs. Vous voyez, hop, ça a disparu. Là, je me suis fait brain 3 steaks. Et quand vous faites brain des steaks, croyez-moi, ça vous énerve. Croyez-moi, ça vous énerve vraiment. Donc là, on va balancer une petite grenade. Voilà. Elle les a pas mal massacrés. Donc on a 16 steaks. Ça va suffire pour le moment. Là, il y a plein de petits Vimp. Je sais pas si ça fait des steaks, les Vimp, les petits Vimp. Je crois pas. Ah non, ça en fait pas. Ah si. Ah si, ça en fait. Ça en fait. Bon, je suis passé de 16 à 19. Bon, allez, on y va. 19, ça va. Let's go. On va attendre qu'ils se rassemblent, les Vimp, là, qu'ils se calment. Parce que vous voyez, ils vont dans la colline et tout. Donc ça fait plaisir. C'était pas du Far Cry Blood Dragon, normalement. Si, mais j'ai fini. J'ai fini. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un petit souci de rediff ce matin avec Dapenox. Je sais, on est au courant. Ça ne se reproduira plus. C'est dû au slackage... de la ZTV production, de la ZRT production. Tout le monde a slacké dans le staff. Sauf Dapenox qui était là. Allez, on y va! Voilà, quartier général. Alors, le problème, c'est qu'on est obligé de finir la base pour avoir le dernier bâtiment disponible. Ça m'amuse pas de faire ça, hein, vous savez. Allez, on y va! Fuck. On va rechercher des steaks. J'essaie de me speeder histoire que qu'on puisse voir une autre mission quand même. Mais bon. T'avais pas 6 travailleurs avant. J'en avais 6 mais quand tu recommences la mission en fait tout est remis à zéro. Donc tu n'as plus de base, tu n'as plus rien. Et donc il faut tout recommencer. Là on va faire un tir ici. Hop. Mais ça les a OS. Véritablement.
En fait, il y a d'autres travailleurs un peu plus haut dans les collines. C'est pour ça que... Ok. 3 steaks par vim, c'est le maximum, bien sûr. Zera, c'est quoi le jeu de demain? Le jeu de demain, c'est Planetary Annihilation. Dans le jeu de la semaine. Il dure que une heure parce que... Il n'y a pas vraiment trop de quoi faire 2 heures sur ce jeu, je vais vous le montrer. Même s'il est assez bien pour l'instant. Bonjour, mes carines. Qu'est-ce qui se passe? Les marines arrivent! Les marines arrivent! Ouais, je me casse! Ah oui, là ils expliquent qu'ils peuvent, qu'on peut se faire attaquer dans notre base. Donc là, ils doivent être en train de nous attaquer actuellement. C'est juste un tuto pour expliquer. Ah bah, ils sont en train de tirer sur mes tourelles, je crois, en fait. Avançons par là-bas. Putain, mais il y a 2 lacéreurs sur mes... Oh la vache. Ah, ils attaquent mes portes, en fait. Meurs. J'avais plus de munitions, quoi. Bon, je sais pas s'ils ont le grand-père, du coup. Ils ont le grand-père ou pas, hein? Ils se battaient contre ma tourelle, vous croyez? Je sais pas. Non, ils ont pas le grand-père, hein. C'est juste un truc pour vous prévenir. Ah si, ils sont là. Je les entends. Je les entends tirer. Ils sont où? Ils sont où, bordel? Ils doivent être derrière. Ah merde. Où sont-ils? Ils sont là, ils sont derrière. Ils sont en train de taper sur le mur, je pense. C'est ça, hein? Ah ouais, complètement. Bon. Eh ben, mourez! Voilà. C'est la fin. Donc ils ont juste débarqué par là, en disant « Les maris arrivent !» Mais j'avais des murs! Tu peux brain le jeu en posant un tourelle sur le mur. Peut-être. Peut-être, peut-être. Ok, on y va. Voilà, normalement j'ai assez de bouffe pour finir la base. 4. Les murs de bois sont... Quoi? Murs de pierre B? Non, c'est trop relou. Genre, c'est des murs avancés. Oh là là, c'est trop relou. Putain. Oh non, c'est trop relou, c'est trop relou. Ça commence à drop. Ah non, toujours pas. Toujours pas de drop. On est dans un bon jour aujourd'hui. Bonjour. Je vais mettre une tourelle ici, tiens. Bam. Non mais les mecs, non mais sérieux. 1000 murs avant la bombe. Non. Oh la vache. Alors d'ailleurs, ouais, le streamer de la Streamer Academy, vous faites bien de me dire ça, parce qu'en fait, je lui ai envoyé un mail, mais il répond pas. Bon, vous inquiétez pas, on a quelqu'un en suspens au cas où, mais... J'aurais aimé qu'il me... Qu'il me réponde, en fait. Alors, une seconde, c'est parti. Sérieux? Oh là là. Bon, 2 ici et 2 là. Non, et 2 et 2 là. J'espère qu'il y a, il y a intérêt à avoir la bombe à pouf, hein. Il y a intérêt à avoir la bombe à pouf. Putain, il y est pas. Fuck my life. Faut que j'aille rechercher de la viande de Vimp. Bon, j'y vais. Ce sera la dernière fois, normalement. Ah mais ça fait que 20 minutes qu'on joue en fait. Même un peu moins je pense. Ah mais ça va, ça passe pas là. Ça va? J'allais dire que ça passe vite en fait, mais bon. Pouilleux est mort ou comment ça se passe? Pas du tout, il sera là demain, il streamera demain. Il a eu un empêchement hier, c'est tout et voilà. Il sera là demain. Ok, donc toi meurs. Merde, attendez. Alors je rappelle que Giant Citizen Kabuto a une IA absolument à toute épreuve qui nous a brain plusieurs fois. Toi tu t'arrêtes toi. Voilà. Faut qu'on essaie vraiment de maximiser les steaks de Vimp. C'est ça notre principal objectif. Voilà. Voilà voilà voilà. Meurs. Voilà, impeccable. C'est magnifique.
Mais vous savez que le jeu est pas moche, hein. Peut-être sur le stream ça rend dégueu, mais non, même pas. Mais c'est vraiment pas dégueu, hein. Alors là, j'ai un problème parce que... Vite! Après, ça part. Bon, je vais laisser le troupeau se reformer. Et je vais ramener ça dans ma base. En même temps, je reviens pour la défendre, tout ça, tout ça. Est-ce que ça va marcher? Voilà, là, incroyable! Hop là. Hop! Ils sont pas morts. Si, ils sont morts, ils sont morts. Nice! Eh, hey, c'est nice, hein. Parce que c'était pas un nice shot, ça. Moi, je pense que c'était un nice shot. C'est parti. Il y a deux Smarties qui errent dans la nature. Je sais, ils sont tout là-bas, en fait. Ils sont... bon, ils sont loin, on peut pas les voir, là, mais... Ah, un mur en pierre, nice! Regardez comme c'est beau. Waouh. Incroyable, cette technologie. Hop là, paf! Blub, 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 blub. Donc ça, j'avais dit, je vous rappelle que... c'était... Noxer qui mange comme ça. Alors terminé, prêt à construire, prêt à construire. Tac. Et pourquoi là? Pourquoi il y en a deux qui slack? Attendez, terminé, prêt à construire, en construction. Il y en a deux qui slack là. C'est bon, mais deux Smarties qui... Ou alors ils sont encore en train de construire le truc là. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Mais je crois qu'il y avait plus de bouffe, du coup ils viennent d'y retourner seulement à l'instant parce qu'ils viennent de finir de bouffer, c'est ça, c'est ça. Ils viennent de finir de bouffer, du coup, c'est de la merde. Bon, bref. La 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 la. Na la la la. Na la 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 la. C'est vraiment de la merde, Dailymotion, toujours un bug. Mais là, ça ne drop pas. Hein. Je pense que c'est toi qui as un problème. Je suis désolé de te dire ça, hein, mais. Mais voilà. Bon, je vais juste attendre de voir. Attendez, j'attends de voir si ça manque de bouffe pour la fin, mais je pense que oui. N'empêche. Enfin, bref, on va voir. On va voir, on va voir. Et c'est là qu'il n'y a pas besoin de bombe à pouf. Bah, je pense que si. Enfin, j'en sais rien, en fait. J'en sais rien, mais je crois que si. Parce qu'il y avait écrit que ça se terminait quand... Il n'y a plus de nourriture. Oh non, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Ça demande trop de bouffe. Oh la vache. Oh là là. Là, je suis vraiment au fond. Là. Le mec, là, je suis vraiment au fond. Arrêtez de dire que ça lagouille, ça drop pas, ça lag vraiment. Moi j'ai zéro drop de là où je suis, hein. Il y a des mini drops, ça va, rien de grave, stop chialer. Non, non, mais il y a zéro drop, je crois que vous hallucinez, les amis. Hein. Je crois que c'est votre connexion que vous saturez un peu. Hein. Je suis désolé de vous dire ça, hein. Je sais que d'habitude c'est ma faute et tout, mais. mais là, je suis dans le regret de vous annoncer que c'est peut-être vous. Meurs ! Meurs ! J'essaie de pas en tuer trop comme ça. Bon allez, tant pis, on va voir de quoi on a besoin après. Voilà. Je vais pas en tuer trop, je vais économiser. Merde. Voilà. J'économise. 18. Allez, 18, on retourne là-bas. Ça me fera un steak en moins, mais c'est pas grave. Refresh 5 fois, car dès que tu changes la qualité, il y a un problème, c'est chiant. Ah, mais ça, c'est pas ma faute. Ah, il attaque mon mur, le fucking... We are under attack! Ça te met même pas un truc, vous êtes attaqué. Meurs! On le dépop parce qu'on tire tous dessus en fait. En fait, il attaque 2 minutes et il arrête, c'est ça? Enfin, je crois. Ou alors il a attaqué mes Smarties vite fait. Voilà. Hop hop hop. Générateur de bouclier. Bon, ça. Ça fonctionne ça? Ça marche pas ça? Attendez. À moins qu'il faut que je l'active en tant que ça. Je crois pas. Hein. Bon, bref, allons-y. Posons la bouffe! Blur, 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 blur. Oh, merci, monsieur. Yeah. Ça vient pas de toi, Zerator, c'est le lecteur qui plante. Ah, d'accord. Terminé, terminé, prêt à construire. Attendez, terminé, terminé, prêt à construire. Bon, je vais attendre les slackers. Terminé, terminé, prêt à construire. Non, ils sont en train de finir celui qui est à gauche, en fait. Ils sont en train de finir celui-là, là, actuellement. Je vais voir juste s'ils ont le temps de le finir avec tout ça. Ou si c'est insuffisant. Regardez comme ils construisent bien et comme ils construisent vite, c'est pas merveilleux. C'est-il pas merveilleux? Ah, ils vont le finir, ils vont le finir, ça va gérer. Quoique, non, en fait pas du tout. Mais qu'est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Il est fini ce mur là, les gars. Ou alors j'ai un bug.
Ah non, il est pas fini entièrement. Voilà, là il est fini. Ok. Terminé, presque. Voilà, go. Et là c'est bon, je vais aller chercher deux derniers steaks et je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Enfin, deux derniers steaks. Un dernier voyage de steak. Et je pense que c'est good. Donc ça devrait le faire. Ils font leur pause clope. Dégueu, le mur à moitié fait, ça fait désordre. Oh putain, la big patrouille qui arrive là. Mourez! Voilà, j'ai OS tout le monde. Trop facile. Hop! Voilà. Très pratique ce canon. C'est quoi, c'est... Des gardes marines qui volent, what the hell? Ça, je crois que c'est un bug. Non? Non, c'est pas un bug en fait. C'est pas du tout un bug. C'est des putains de gardes marines qui volent. Je sais pas comment je vais gérer ça, mais ça m'énerve. Ok, je vais tenter un truc. Poule! Ils sont vivants ou pas? Ils sont morts. Nice. Parfait. Parfait. Poule! Non, c'est vrai qu'il est dur ce jeu, honnêtement. Je savais même pas qu'il y avait des machins volants qui arrivaient, quoi. C'est ouf. C'est parti! Allons-y! Tu joues en 1080p. Non, je joue en 720p actuellement. Le jeu est en 720p. Donc voilà. C'est parti! La la la. La 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 la. Ils construisent bien, mais c'est des gros ports niveau bouffe. Ouais, c'est vrai. D'où le bouclier. Ah ouais, d'accord. D'accord. Sinon, on gomette des tourelles. Ouais, je vais y aller. Prends le lance-missile de proximité, c'est OP. Ouais, en fait, le lance-missile de proximité, tu peux le diriger, c'est ça. Je crois que c'est ça le fuck du truc. Go! Bon, vous me finissez la base, les gars. Hein. Il y en a deux qui attendent pour me faire derrière. Om nom nom nom. Om nom 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 nom. C'est fini là, non? A terminé. Non. Genre a terminé. Pourquoi il y a écrit terminé et genre terminé, mais en fait c'est pas terminé. Bon, je vais aller à la boutique en attendant qu'ils finissent. La la la. Mais en fait ils disent que celui-là est terminé, mais je pense que c'est un bug. C'est un fucking bug. Très bien. Lance-missile de proximité. Non mais non, elle est bien. Il est bien mon combo d'armes là, je trouve. Très bien. Pose une tourelle là. Voilà. Pourquoi ils vont dans le générateur de bouclier? Ah non, ils sont en train de finir celui-là, c'est bon. Attends, c'est bien, on peut poser des tourelles à l'infini en fait. Genre j'en pose une là. Après je retourne à la boutique, j'en pose une de l'autre côté. C'est ça? Ah non, ils n'avaient pas à l'infini. Bah ouais, normal, générateur. Mec complètement con. C'était logique en même temps, c'était logique, mais bon, on n'avait pas le maximum de trucs. Bruitage de ce jeu énorme. Avec 5 planches, ils font un truc de pierre. Ouais, c'est comme ça. Bon, ça c'est terminé. Ça va être terminé. Y'a plus de nourriture. Non, mais hey, fuck my life. Vraiment fuck my life. Putain. Bon, alors que nous arrivons à la première pause, je vais continuer de chasser en attendant. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Dégueulasse! Je suis en train d'essayer de mourir!
Il y a quand même un mec qui a écrit de 18h à 20h, c'est la pause publicitaire, c'est ça le programme. Alors j'étais tranquillement en train de jouer là, et d'un coup je me suis retourné, j'ai fait... What the hell? Regardez ça! Regardez ça! Non mais what the fuck? On est attaqué! Et voilà, on recommence toute la mission. C'est reparti. Donc on doit reconstruire toute la base maintenant qu'on est mort. Et voilà. Alors il est pas bien ce jeu. On retourne chasser. Non, je plaisante, faut pas tout recommencer. On n'a pas toute la base parce qu'en fait, à partir d'un certain moment, on a tout le truc. Alors juste attendez une seconde. Parce que là on a toujours pas la bombe à pouf, on n'a pas les tourelles, on n'a pas les trucs. Attendez une seconde. Je t'ai dit que c'était OP les flyers. Ouais, je sais. Il n'y a plus de nourriture. Il faut que j'aille chasser, hein, c'est ça le problème. Ah, j'ai zéro Smarties, très bien. Donc j'ai ma base, mais j'ai plus aucun villageois. Faudrait élever les vignes par l'intérieur du camp, je pense. Parce que là, même en essence pour les jetpacks, c'est pas très rentable. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas très rentable. Pourquoi t'as pas mis de pub? Je sais pas, j'ai dû oublier. C'est pas grave. Osef. Hop là! Alors là, ça a fait repop par contre les... Ok. Voilà. Où sont les VIMP? Oh merde. Voilà, Cette tourelle doit mourir! Mes potes vont tous crever, c'est cool. Oh mais le Smarties à côté, mais dégage! Non mais ok. On va tuer les lacéreurs. Alors par contre, il doit y avoir encore le sniper là-bas, non? Ah ouais. Voilà, plus de tête. Bonjour. Très bien. Ok, j'en ai combien là? J'en ai 3 ou 4. Bonjour. Voilà, meurt au pire. Par contre, j'ai plus de vimp du tout. Oh voilà, très bien. Où sont les vimp? J'attends qu'ils grandissent. Voilà, ils grandissent. Grandissez! Ou mourrez! Voilà, très bien. Ça suffira, non? 15, 16, 17. J'en ai 17. Ah, 18. Toi, meurs! Enfin, il y en a deux. Très bien. Alors, par contre, du coup, ça reset les patrouilles de Marines. Donc, c'est pas mal parce que... Vu que ça a reset les patrouilles, on va se taper que des patrouilles de 2, je pense. Au lieu d'avoir des... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Vous comprenez? Non, je dois pas tout recommencer, hein, vous en faites pas. Je dois juste finir mes deux murs de pierre à la con. Et après, ce sera nickel. Yeah, oh oui, oh super. Non, si je devais tout recommencer, j'aurais arrêté, je pense. J'aurais directement arrêté. Alors... Boing. Là, je dépose ma viande. Dépose le mec. Voilà. Salut mon pote. Dommage qu'ils aient pas la voix de Timmy. Qui était bien plus drôle quand même. Pire. Bon, pourquoi j'en ai que deux alors que j'en avais. Parce qu'il y en a un qui a dû mourir. Enfin. Bon, c'est pas grave. Ah, fuck. Bon, je dois quand même en terminer un donc. Ah, parce qu'il y en a un que j'ai pas déposé, d'accord. Très bien. Voilà. On va aller faire un dernier voyage, histoire d'être sûr. En plus, il y a pas mal de vimp dans la nature. Enfin, je vais acheter une seringue. Seringue! Non, seringue, j'ai dit. Excusez-moi. Seringue! Voilà. Très bien. T'as joué à Startopia en étant enfant. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne savent pas ce qu'est le jeu Giants, un jeu sorti en 2001, un jeu old school qui a fait une grande partie de mon enfance, sur lequel je me suis beaucoup amusé, n'est-ce pas? On a joué à ce jeu au Zeratosaurus de dimanche. Et c'était bien cool.
Donc on a décidé qu'on referait une petite partie pendant la semaine. Petite partie du jeu, j'entends. Voilà. 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 Très bien, très bien. 12. Là, il faut vite les ramasser avant que ça dépop. 15. Ah ! Voilà, j'en ai loupé 3, vous voyez. C'est une catastrophe. Bon, il y a des marines qui arrivent, je suis dans mon camp, mais c'est pas très grave. Par contre, j'ai plus qu'un seul mec avec moi. Non, ça va, il repop au fur et à mesure. Meurs. Voilà, j'ai 20 steaks. C'est good. C'est good, good. Alors, meurs. Et pourquoi ils nous défoncent maintenant là? C'est quoi ce bordel? En fait c'est eux qui nous défoncent. Ceux qui ont le super gros... Non en fait non. Ça doit être un super pouvoir qu'ils ont. Ça fait super plaisir. Tu as joué à Black and White. Non. Tu sais même pas ce que c'est. Tu as joué à POD. POD, le jeu de voiture, un tout petit peu. POD. Oh super. Allez, c'est parti! Ah, salut mon pote! Toi, je te dépose. La bouffe. Voilà, bouffe. 19h39. Putain, mais on aura même pas le temps de finir cette mission. Elle va prendre une heure. Et après, on dit ouais, wow, c'est que du farming et tout. Regardez comment on a vachement évolué, quoi. Depuis l'époque de World of Warcraft avec le farming. Ça fait plaisir. T'as joué à Warcraft? Ouais, on a joué à Warcraft 2 déjà dans le Zeratosaurus. 2001, ton enfance, mytho. Bah, si. J'avais 12-13 ans, je crois. Comme ça. Donc voilà. Allez, c'est parti, la go. J'attends que les Smarties aillent finir ce mur. Vous voyez, j'ai les bras croisés, je slack actuellement. C'est parti. Ils vont finir, ils vont finir. Ils vont bientôt le terminer, je pense. J'ai masse bouffe dans mon truc. Donc ça fait plaisir. Let's go, let's go. Alors, que se passe-t-il? C'est bon? Ah, c'est bon! Le cuitodrome! Putain, la base est même pas terminée, quoi. Fuck my life. Le cuitodrome! Vous savez, je me rappelais même pas de tout ça. Moi, quand j'étais gosse, c'est genre, je faisais deux bâtiments, c'était la fin des temps, quoi. Genre, je me sentais trop fort. Ah, mais c'est même pas fini, bordel! Le cuitodrome! Donc là, ils vont chercher des planches là-dedans. Logique, au générateur de boucliers, ils vont chercher des plantes. Et ensuite, ils vont aller finir le truc. La grande cuisine, quoi, c'est ça? Ce sera easy le cuito, ça ira easy le cuitodrome. C'est easy le cuitodrome. Très bien. Allez, finissez-le. Voilà, terminé. Cuitodrome terminé, la boutique contient de nouvelles armes. Ouais, j'espère bien, je l'ai bien mérité. Ouais, c'est vrai qu'il est stylé. Une ambiance d'enfer. Ok, la bombe à pouf, please. Voilà, nickel. Ah, lance-missile autoguidé. J'avais pas ça. Je vais le mettre là. Comment ça marche? Bon, je sais pas comment ça marche. On verra bien. Alors, allons-y! Bon, tentons de passer à l'attaque de ce truc. Allons-y. Bientôt 2h sans drop, c'est vrai. J'avais raison. Je déclare ce jour fête nationale. Vous inquiétez pas, c'est pas anodin. Hier, on a essayé de faire des trucs sur la connexion. Apparemment, ça a bien marché, on en était pas sûr. Et je remercie Njibu qui nous a bien aidé. Njibu et Oxymor 34. Voilà. Meurs. 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 J'ai pas pris de seringue. Donc Zera va peut-être meurre. Mourez. Meurs. Meurs. Voilà. Pas de seringue pour l'instant, c'est parfait. On y va. Fais gaffe, la bombe à pouf t'empêche de décoller. Ouais, je sais, qu'elle est trop grosse. Tu peux faire un hélico avec le cuitodrome. Ah ouais? Ok. Ok, ok, bah j'aurais peut-être dû aller faire ça en fait. Ok. Aïe, putain! Mais c'est à cause de mes cons de potes! Ah, là on va pouvoir se régénérer.
Alors, on peut... Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, c'est pas possible. Parce qu'ils décollent, ces abrutis, du coup. Genre là, si elle retire une fois, à mon avis, on est foutu. Voilà. Oh, fuck my life. Ah, mais là, on pourra pas aller le tuer, je suis là. Moi, avec la bombe à feu, je peux pas. Ah, meurs. Je vais crever. Y'a trop de mobs. Je vais crever. C'est la merde. C'est la merde actuellement. Je me régène un peu mais c'est pas gagné. Fuck you. Ok, j'ai plus de balles. Excellent. Meurs. Ok, génial, ça n'a pas fonctionné. Meurs. Meurs à la grenade. Parfait, parfait. Une seringue, s'il vous plaît. Et merde. Très bien. Très bien, très bien. Je vais tenter de monter, même avec la bombe à pouf. Oh, je me traîne tellement. Le problème, c'est que là, je vais me faire attaquer dans ma base. Ok. Non, mais la bombe à pouf, c'est juste pour attaquer. Hein. Elle est pas utile pour aller dans les niveaux, ce genre de truc. Hein. Évidemment. Ne pensez pas. Ne rêvez pas non plus. Ok. Bon, on va le mettre là. Ça devrait suffire là quand même, non? Voilà, très bien. Exactement ce que je voulais. Et là, il me faudrait une seringue. Voilà, parfait. Exactement ce que je voulais faire. Voilà, nickel. Là, on va monter. Tu es tellement dead, y'a un mec qui a dit. Mais non, t'inquiète pas, tout va bien. Voilà. Parfait. Excellent. Meurs. Ok, merde. Oh, je vais ramener les Smarties. Je vais faire une pause. Mais vas-y là. Je peux pas le choper? Bonjour. Ok, bon. Moi il voulait pas. Celui-là voulait pas monter sur moi. Ah oui, j'ai la bombe à pouf. Putain, je suis con. Logique. Ramassez-le, s'il vous plaît. Vous faites pas prier. Oh putain, regardez ça. J'essaie de faire que mes potes. Ah, c'est bon, ils ont réussi à l'avoir. Bon, je vais me casser d'ici. Bon, quoique, je vais tenter de rusher. Allez, on va tenter de rusher. On tente de rusher. Allez, c'est parti. Très bien. Oh putain, elle est où la tourelle? Elle est où la tourelle? Ah ouais, c'est là. Voilà, parfait. Putain, j'ai plus de vie. Vite! Oh mon dieu! Ouais, parfait. Ah mais meurs. Le mec est juste à côté, il nous déboîte, tout le monde s'en fout. Wouh, tuez-le. Oh putain, attention au team killing. Ah très bien. Ok, par là. Oh merde, la tourelle. Oh putain, il y avait une seringue, je l'ai raté, fuck my life. Oh putain, je l'ai raté. Très bien! Où est-ce qu'on place cette putain de bombe? Attendez, attendez, attendez. Où est-ce qu'il faut que je place cette putain de... cette putain de bombe de merde? C'est où? C'est où? C'est où? Ah! Fuck my life! C'est par où? A votre avis, faut que je la pose où? J'en sais rien, putain, j'en sais rien! Faut que je la mette où? Faut que je la mette où? Putain de merde. Bon, je vais la mettre là en dessous. Hein. Personne me répond sur IRC. Il va bien falloir que je sache. Allez, mourir. Oh putain de merde. Oh, je suis mort, fuck my life. Ça n'a rien changé de la mettre ici. Putain. Oh putain, j'ai ras le cul. Ouais, ouais, construire une base, c'est ça. Elle est déjà terminée la base. Bon, la base est terminée, ça c'est bien. Donc on a déjà la bombe à pouf ici. Vous en faites pas, hein, tout va bien. Ah,
on peut avoir des fusées éclairantes, ça y est, ça ne bug plus. Par contre, je vais garder le sniper parce que c'était pas top le truc d'avant. Pose-la près du bâtiment, ça suffit. On y va. Là, on va terminer la mission. Je vous jure qu'on va terminer la mission. Parce que là, en plus, ça va être easy parce que les pattes. En fait, plus on meurt et plus c'est facile en fait. C'est un truc de fou. Parce qu'en fait là, toutes les patrouilles de Marines auront décédé. Donc j'ai juste à casser les tourelles en fait. J'avançais par la gauche et on y va. Aussi. Meurs. Les tourelles, c'est vraiment relou. Voilà. Ah, j'ai oublié l'hélicoptère. Merde. Ok, bon. J'ai oublié. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je vais peut-être recrever, attendez. Hélico. Ouais, j'avoue, putain. Très bien. Putain. Je me fais défoncer. Oh, y'a un sniper. Meurs. Voilà. Un plus en LAN. Allez, explose. Très bien, elle est morte la base cette fois. Fin de la mission, bordel! Oh nice, c'est la fin! J'utiliserai l'hélico. Rien. Elles vont finir par nous avoir. Je dois partir et m'attaquer à la source même du pouvoir des Marines. Ma mère. Delphi, tu seras plus en sécurité ici. Baz, tu ne comprends pas. Je dispose de puissants pouvoirs. J'ai juste besoin d'apprendre à m'en servir. Apprendre? Oui. Et il n'existe qu'un seul Smarty susceptible de m'aider. Yann. Yann? Yann? Oui, Yann. Le samouraï Smarty, le maître des arts mystiques. Mais Delphi, quand te reverrai-je? Ah bon? J'ai embrassé la vitre. Le salaud! Ne t'inquiète pas, je reviendrai. T'as pas envie d'une bière? Oh, ben si, justement. Et là, on commence la campagne marine. Donc la campagne de ces fameux aliens... Et j'ai oublié un truc. Peggy 18. Je m'attendais à ta venue, mon enfant. J'ai ressenti ta présence. Oh, tu as une sœur jumelle? Je suis fille unique. Oh, tu as raison. Bravo, tu as réussi la première épreuve. Bien, passons à la suite de ta formation, Marc. Suis cette lumière. Elle te guidera vers l'entrée de chaque épreuve. Tu devras alors retrouver l'un de mes disciples Smarty et me le ramener. Je te ferai donc d'un nouveau pouvoir pour chaque Smarty que tu sauveras. Ok, très bien. Donc, suivez la lumière rouge et sauvez l'un des disciples de Yann. Ramenez le Smarty à Yann. Vous pouvez vous régénérer en immergeant dans les eaux profondes lorsque vous êtes blessé. Très bien. Alors. Il faut que je me rappelle comment on joue les Marines. Donc c'est la deuxième campagne qui commence. Enfin, je crois que eux, par contre, je crois que les Marines, quand elles peuvent sauter...
Donc, peut-être je peux pas encore le faire. On peut jouer en first person. Ah ouais. Mais en gros, hop. Meurs, meurs. Ah ok, j'ai des munitions, j'avais pas vu. Et là, par contre, j'ai pas de munitions pour ça. Meurs, meurs, meurs. Meurs, 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 meurs. Très bien. Donc en gros, parce que je vois que le sexe en intéresse certains, on continuera ce jeu à chaque créneau de Far Cry Blood Dragon sur la semaine qui reste. Ah oui, c'est vrai. Donc genre là, si je vais là, ça me régène. Ah ouais, ça me régène. Même pas besoin d'aller en profondeur. Ça me soigne aussi avec H aussi. Très bien. On y va. Et dans la tête, ça fait plus de dégâts en effet. C'est par où? Ah, c'est à gauche, merde. Par là. C'est par là. Bon, elle se déplace pas très vite, c'est un peu relou. Attaque speed 3, danseur fantôme. Ouais, ouais. Ah, donc là, il y a un Smarty. Alors, les Smarty, c'est pas les petites friandises, hein, c'est les petits mobs là. Les aliens à tête. Les aliens à grosse tête. OS. Pardon? Ah oui, justement, elle les met pas sur son dos, elle les met dans des petites bulles. Parce qu'elle a des gros pouvoirs. Et là, il faut que je retourne donc au truc initial. Donc on y va! On revient sur nos pas, n'est-ce pas? Un peu relou comme mission, mais c'est normal. Donc voilà. Et juste après, à 20h, il y aura le Zerarai. On va faire un petit peu de League of Legends avec Fury. En espérant que le ping soit clément avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît. Il est horriblement répétitif ce jeu. Mais c'est la campagne. Tu sais, ça fait longtemps que ce jeu est sorti. Et en fait, le principe de ce jeu, c'est que tu finissais la campagne pour voir les dialogues. Un peu comme dans StarCraft, quand tu finissais la campagne pour les cinématiques. Dans StarCraft Brood War, par exemple. Ce jeu, c'est un peu pareil. Tu fais pas du tout le jeu pour son gameplay, tu fais le jeu pour son aventure. Et après, le mode multi était vraiment ouf. Mais le problème du mode multi, c'est qu'il faut installer GameSpy. Je pense que les serveurs sont fermés. Non, je sais pas, mais c'était le bordel pour jouer en multi. Puis ça laguait pas mal, il me semble. Donc voilà. Alors c'est bon, je t'ai ramené ton pote. Nice. Quelle performance remarquable, mon enfant. Pour te récompenser, je vais t'offrir le sortilège Bull. Maintenant, suis la lumière jusqu'à l'entrée suivante et ramène-moi un autre Smarty. Ok, fin du truc. Fin du truc. Donc c'est parti. On va faire le deuxième. La deuxième quête, le deuxième Smarty. Alors le sort Bull, je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas, est-ce que c'est... Je sais pas comment on l'utilise. Bon, à mon avis, c'est juste pour ramener des Smarties, c'est un peu naze comme spell, mais bon, c'est pas grave, t'as fini Far Cry Blood Dragon Zera, tout à fait, je l'ai fini. Meurs. Le sabre, ça fait quoi? Je sens quoi? Meurs. Ok, je vais me battre qu'avec ça, c'est trop puissant. Ah ouais, d'accord, ça burst un max. Trop classe. Meurs. Ah, mais c'est beaucoup trop puissant ce truc. Ça déchire. Voilà. Très bien. Il y a une caserne là-bas. La caserne là-bas, ce sera pas mal. Quand il n'y a plus la cam, ça saccade plus. Ouais. Qu'est-ce que c'est, ce bug qui n'existe pas? Tu vois ce qu'on appelle un bug qui n'existe pas? C'est comme moi, j'en ai pas mal des bugs qui n'existent pas. Notamment le bug du bip bip sur XSplit. Qu'on n'a pas eu encore aujourd'hui, mais on l'aura sur LOL normalement. Quelqu'un m'a dit que c'était par rapport à la touche majuscule et... Comme j'utilise mes items avec majuscule... Le mec m'avait dit que c'était pour ça que j'avais des bugs de ce genre. Meurs. Voilà, meurs. What the hell. Meurs. Très bien. Alors par contre, bon... Voilà. Voilà. Et voilà. Il est où le machin à sauver là? Il est là.
Il est là, je suis sûr qu'il est par là. Il est par là, c'est ça? Il est complètement par là, on est en train de faire tout le grand tour pour essayer d'aller sauver le mec. Bon, pas de jetpack avec les marines, hein, c'est ça le problème, on va dire. En fait, il est dans ce grand truc, c'est ça. Ah, il est là-bas, je le vois. J'ai peut-être pris le mauvais passage. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute, à votre avis? Je pense que oui. Je pense que oui. Bonjour. Ok, je vais crever. Je vais crever. Est-ce qu'il y a de l'eau, là? Ouais, il y a de l'eau. Dans l'eau, je régène. Donc c'est bon, régénérons. Ça monte pas très vite, hein. Ça monte pas très vite. J'attends. J'attends un peu, je régène, hein. Là, il y a un sniper. Ah! Fuck my life. Ils peuvent tirer de là-haut. Ils rigolent pas, les mobs, à ce jeu. Ils vous voient et tout à travers la flotte. Je vais passer par là. Je vais passer par là. Les eaux profondes. Ah, mais on n'aura pas le temps de finir, je pense. Je sais pas si Fury est prête. Je vais lui demander. Et voilà. Alors que pendant ce temps-là... Il est à distance, il est chopable avec le sort. Ah ouais, c'est vrai? Merde. Il y a des mecs là-bas. Bon, je ramène ce Smarties. Et après, on passera sur le Zerari. Du League of Legends à l'honneur. Et voilà. Alors, on a eu Fury, il va lancer son live et m'insulter comme quoi je suis en retard et tout. Mais c'est pas grave. Pas mal les nouveaux graphismes de la PS4. Mais c'est pas du tout... c'est pas du tout la PS4. Hein. C'est un jeu qui date de 2001. Et qui était très bien fait pour l'époque en plus. C'est ça le pire. C'est ça le pire dans les gens qui sont scandalisés par le fait qu'on joue à ce jeu. C'est qu'en plus on leur dit que pour l'époque il était bien fait. Alors là, tu dis ça aux mecs, ils deviennent complètement mad. Par contre c'est pas où le truc? Ah c'est là-bas. Je suis complètement bourré. Zera enlève la cam, ça bug. Non mais il y a que pour toi que ça bug mon gars. Je crois que t'as un problème. Enfin bon c'est pas grave. Ok bon l'aventure. Notre petite aventure va se terminer ici. Et nous jouerons à Giant, à la suite de Giants, pendant le prochain créneau de Far Cry Blood Dragon de la semaine, ramenage du Smarties. Je vois que tu maîtrises bien tes pouvoirs. Tu as mérité le plus fantastique pouvoir des marines, le pouvoir de... Laisse-toi guider par la lumière, elle te mènera jusqu'à moi pour la dernière épreuve. Voilà, et cette dernière épreuve, on la verra plus tard, donc je vous dis à dans deux petites minutes, on se retrouve juste après pour le Zerari avec Fury, donc à tout de suite.